4, 3, 2, 1. Utilisant la technologie du vibranium. Grâce à la thermodynamique, ce bijou peut créer une source inépuisable d'énergie verte. J'aurais adoré être parmi vous, mais Peter m'a rappelé poliment qu'aujourd'hui c'était notre anniversaire, ou quelque chose comme ça. Mais ne soyez pas déçus, j'ai invité quelques amis qui veilleront sur votre sécurité. Je dois y aller. À vous le studio! Vérification des caméras de sécurité. Et maintenant, veuillez accueillir la plus forte et la plus talentueuse des agents du SHIELD, Natasha Romanoff, Black Widow! Bonjour à tous, heureuse d'être ici. Puis-je récupérer la mallette? Merci, vous pouvez partir. J'ai dit partez! Si c'est une blague, elle est très mauvaise. Où est le réacteur ARC? Activation du mode sécurité renforcé. Scan de la zone. Réacteur ARC non détecté. Miss Romanoff! Miss Romanoff! Je suis là-haut! Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis confiné! J'ai pas réacteur ARC! Monsieur Stark, vous venez d'apporter un bon mais... Très bien, si tu veux bien avoir la gentillesse de descendre. J'arrive! Attention les yeux! Désolé de retard, mais je suis passé à côté d'une boulangerie et j'ai vu ce cheesecake au caramel. J'ai pas pu résister. Vous avez déjà goûté le cheesecake au caramel? Ah là, c'est tellement bon! Super, on enchaîne? Monsieur Stark m'a bien dit de ne le donner à personne. Tu peux me le donner, je suis une Avenger. Et pas toi, Spider-Man. Je sais, je sais. Tout va bien, Miss Romanoff? Je me sentirai beaucoup mieux quand j'aurai le réacteur. J'ai rien fait! Perturbation cosmique à l'approche de la Terre.
Dépêche-toi de me donner ce machin! Ça, c'était pas moi non plus! Salutations à tous. Wow, Black Widow et Thor. Tout va bien par ici? Tout va très bien, Thor. Ouais, Monsieur Stark m'a chargé de m'occuper de tout, donc c'est cool. Très bien. Mon frère Loki a disparu d'Asgard, le Bifrost est resté ouvert. Il m'a mené jusqu'ici. Ton demi-frère n'est pas là, tu peux retourner sur Asgard. Quant à toi, gamin, donne-moi ce réacteur. Natasha, ça va? Ouais, vous avez l'air d'avoir chaud, non? Tout va bien, donne-moi ça. Vous avez pas l'air très en forme. Cela doit être l'œuvre de Loki. Il est tellement fou. Je suis un dieu! Demi-dieu. Et pas aussi fort que Thor. Pas aussi fort que Thor? Assez! Je me demande comment elle arrive à bouger dans cet accoutrement. Loki, pourquoi fais-tu ça? J'en étais sûr. Spider-Sense. Tu es tellement perspicace. Je te ramène à Asgard. C'est une offre intéressante, mais j'ai d'autres plans en tête. Enlève-moi ça! Non. Il est génial ce marteau! Je peux essayer? Aucun être vivant ne peut soulever Mjolnir, à moins d'en être digne. Wow! Comment tu dis? Mjolnir? Mjolnir. Mirmir. Non. Mjolnir. Mjolnir? Non. Je suis désolé d'interrompre cette conversation très stimulante. Puis-je avoir le réacteur? Mon frère, pourquoi désires-tu tant avoir cet engin? Ses pouvoirs sont bien faibles comparés aux nôtres. Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour échanger avec un ami. Alerte invasion. Alerte invasion. Ah, et le voici. Presque. Je vois que vous avez le coffret. En effet. Le coffret des anciens cyber. Quoi? C'est une arme dangereuse capable de geler des planètes entières. Les Asgardiens pensaient qu'elle avait disparu. Bonne nouvelle, Cranebouche l'a retrouvée. Il a eu la gentillesse de me proposer un échange. Le réacteur Arc contre le coffret. Il obtient un pouvoir illimité. Et moi, je deviens maître des 9 royaumes. Allons-y. Désolé, l'affreux, mais le réacteur n'ira nulle part. Comme c'est charmant, mais je m'étais préparé à ce revirement de situation. Natasha, libérez-la. Ou assumez les conséquences. Ida, à l'attaque! Ah!
à moitié fou vous vole votre identité. Activez le coffret. Avec plaisir. Mon frère, non! Arrête cette folie! Stop! Plaît-il? Je t'ai interrompu. Moi, en fait, vous êtes le pire frère du monde. J'ai bien cru qu'il n'allait jamais se taire. Bien. Miss Romanov. Apparemment, il ne reste plus que vous. Comment comptez-vous nous arrêter? Lâchez ce coffret et je vous montre. Je ne crois pas. Et maintenant, peuple de la Terre, à genoux devant votre maître. C'est impressionnant. Je peux? Bien sûr. Évidemment, il vous faut les pouvoirs d'un dieu pour l'utiliser. Ah, mais j'ai le pouvoir d'un réacteur arc. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai jamais aimé partager mes jouets. Je gardais tout. Comment osez-vous? Vous n'êtes rien comparé à moi! Oh! Maintenant à genoux. Je suis un dieu! Oh! Vous n'êtes plus rien. À votre tour! Alerte! Forte perturbation d'énergie à l'approche de la Terre. Bah alors, j'ai pas le droit de tapis rouge? Ah, encore un clown qui veut sauver le monde. Appelle-moi Captain Marvel. Désolé, mais je crains que vous n'arriviez trop tard. C'est ce qu'on verra. Maintenant, deux choix. On fait ça à la cour. On fait ça à la cour. Hydra, préparez-vous. Oui. On fait ça à la cour. Planète à sauver.
l'appel de Monsieur Stark. Oh non, c'est Monsieur Stark. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas. Qu'il doit de ses inventions encore ça ni causer la fin du monde. Bon boulot. Alors mon grand, comment ça s'est passé? Ils ont aimé? Eh ben Monsieur Stark, ils ont adoré. Pas vrai les amis? Oui. Évidemment. À bientôt pour de nouvelles inventions. Merci d'avoir assisté à la présentation de Monsieur Stark. Passez une bonne journée. Fin de transmission.